Docteur Al-Hashimi, vous êtes l'ambassadeur d'Irak en France. Hier, Saddam Hussein déclarait qu'en cas de conflit, des milliers d'Américains seraient envoyés dans des cercueils. À qui faisait allusion votre président? Aux étrangers retenus au Koweït et en Irak, aux militaires américains? Non, en fait, il parlait des militaires. Parce que lorsque la guerre éclate, il est normal qu'il y ait des pertes. Et si une telle éventualité intervenait, il est certain que beaucoup de gens mourraient. Et c'est cela qu'il voulait dire. Pourquoi ordonner le rassemblement de Britanniques et d'Américains dans un hôtel de la capitale du Koweït? Quel est votre objectif? Non, permettez-moi, parce que ça n'est pas un problème de ressortissants. Le problème n'est pas celui des ressortissants nationaux. Je ne sais pas quand l'Europe va se rendre compte de ce qui se passe. Car ce qui se passe, c'est que les États-Unis en Arabie Saoudite ne défendent pas l'Arabie Saoudite, parce qu'il n'y a pas de menace contre l'Arabie Saoudite. Et ils ne se préoccupent pas du Koweït. Ce que font les Américains, en fait, c'est occuper les champs pétrolifères du Golfe. Et ce faisant, ils veulent contrôler l'Europe. Car une fois que l'OTAN est terminée, maintenant que l'OTan est terminé, les Américains ont besoin d'autre chose pour contrôler l'Europe. Et il n'y a rien de mieux que le pétrole du Moyen-Orient pour ça. Vous ne me répondez pas précisément sur le sort des étrangers, particulièrement des Britanniques et des Américains. Pourquoi les rassembler à Kuwait City dans un hôtel? Les rassembler, c'est pour leur sécurité, absolument. Pourquoi sont-ils là-bas, en Irak et au Koweït? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, et comme je l'ai dit et redit, compte tenu des circonstances, il y a une menace militaire contre l'Irak, et ces ressortissants sont dans une région où l'espace aérien est fermé, les frontières sont fermées, il n'y a pas de voyage et ils ne peuvent pas partir. Mais vous faites une différence entre les ressortissants puisque les Soviétiques et les Polonais, eux, peuvent partir. Il y a une discrimination au sein des ressortissants. C'est ce que j'ai dit. Le problème des ressortissants étrangers, c'est une question sur 10 ou 15 questions que pose l'ensemble de la situation. Les Américains, les Britanniques et ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils sont en train de constituer une telle force? Pourquoi faire? Tout cela est lié. Nous nous retrouvons tout de suite. Il y a quelques jours, ce n'était qu'une menace. À partir d'aujourd'hui, le blocus entre dans les faits. George Bush, en effet, ordonne à la marine américaine d'intercepter tout mouvement de bateau en provenance ou à destination de l'Irak et du Koweït. Les chances d'un règlement diplomatique de la crise s'amenuisent. Nathalie Etter. Depuis cette nuit, la flotte américaine est autorisée à utiliser la force pour imposer l'embargo économique à l'Irak. En clair, tout navire commerçant avec Bagdad ou le Koweït sera arraisonné. Pour George Bush, recourir au blocus naval pour asphyxier économiquement l'Irak est la suite logique à l'embargo décrété par les Nations Unies. Mais ce raisonnement ne fait pas l'unanimité. Pour le secrétaire général de l'ONU, tout blocus doit recevoir l'aval du Conseil de sécurité, article 41 de la Charte des Nations Unies. Une position que défend également la France, pour qui le blocus est un acte de guerre. Paris devrait donc se démarquer de Washington. La flotte française se cantonnera à l'interpellation des navires transitant par le Golfe. L'URSS se montre plus nuancée. Moscou serait prête à envoyer des troupes au Moyen-Orient si les Nations Unies mettent en place une force militaire multinationale. La Libye, quant à elle, propose tout simplement de remplacer les troupes américaines par des soldats de l'ONU. Enfin, on attend la réaction de la Grande-Bretagne qui, comme l'Australie, s'était montrée favorable au blocus naval. Les États-Unis pourraient donc disposer de ces deux alliés, mais en attendant, le bras de fer se durcit entre Washington et Bagdad avec le risque croissant d'une guerre totale dans le Golfe. Une commission spéciale de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, examine en ce moment même le respect de l'embargo. Monsieur Al-Hashimi, face au blocus, quelle va être la position de votre pays si un incident éclate? Eh bien, j'ai déjà dit que le blocus était un acte de guerre. Mais il y a une information extrêmement importante qu'il faudrait que tout le monde connaisse.
En ce moment même, du pétrole irakien est en train d'être déchargé dans les ports américains aux États-Unis, pendant que le président Bush empêche l'Europe et empêche le pétrole en fait de venir en Europe. Le pétrole irakien, dans ce même temps, est en train d'être déchargé dans les ports des États-Unis. Les Américains ont dit, bon, ce sont des anciens contrats. Bon, s'ils interprètent le droit international dans le sens qui les arrange, eh bien, la même chose, les anciens contrats, vous savez très bien, Madame Piquet, par exemple, que le lait pour les enfants, les bébés, est confisqué en ce moment en Turquie. Il ne peut pas entrer en Irak pour des enfants, des bébés. Ce ne sont pas des anciens, ce sont des anciens contrats. Alors pourquoi est-ce que les enfants, les bébés ne peuvent pas avoir ce lait? Ils disent anciens contrats, mais en attendant, on déchire charge du pétrole irakien dans leur port, au nom de l'ancienneté des contrats. De Cuellar a dit que ce que faisaient les Américains et les Britanniques n'était pas conforme au droit international. Donc le blocus, c'est un acte de piratage, un de plus, c'est le gendarme qui exerce ses talents, et ça n'est pas acceptable, ce n'est pas conforme au droit international. La Jordanie semble bel et bien fermer aujourd'hui le port d'Aqaba, unique débouché maritime dans le Golfe pour l'Irak. L'application de l'embargo pourrait susciter un mouvement de protestation au sein de la population. Nos envoyés spéciaux sont allés au nord d'Amman, dans la ville de Salt. Tous les jours, on manifeste ici contre les Américains. Dans les rues, le calme n'est qu'apparent, tout peut arriver. Jean-Claude Perpère, Yvon Delot et Alain Raffestin. Vendredi, c'est pour les Jordaniens le jour de la prière et du repos. De loin, la ville de Salt, écrasée par le soleil, semble somnoler. Dans les rues, l'animation habituelle des jours fériés. On fait son marché, on lit le journal, on discute paisiblement devant les boutiques. Ici, on oublie presque la crise qui secoue la région. Mais qu'on ne s'y trompe pas, elle est l'unique sujet de conversation. Et sur les vitrines, le portrait de Saddam Hussein occupe une place aussi importante que celui du roi. Notre gouvernement ne peut pas changer de politique vis-à-vis de l'Irak. Notre peuple ne l'accepterait pas. L'appel à la prière vide les rues, drainant les hommes vers les mosquées. Plus nombreux, dit-on ici, que par le passé. Peut-être parce que la crise attise la foi et inspire aux prêcheurs des sermons passionnés et spectaculaires. Et puis tout à coup, dans cette paix, banderoles, drapeaux apparaissent sur la place principale brandis par des jeunes. Les fidèles se joignent à ce premier noyau et bientôt, 5000 personnes, le tiers de la population se pressent dans les ruelles, derrière les portraits de leurs héros, les deux Hussein, le roi et l'Irakien Saddam. Saddam, je te donne ma vie, mort à l'Amérique, mort à George Bush, au roi Fahd, à Moubarak le traître. Slogan vengeur scandé pendant des heures sous les regards des femmes au balcon. Nous, les Jordaniens, nous comptons sur le prestige de notre roi Hussein pour négocier au mieux et trouver une solution pacifique conforme aux souhaits des Arabes. Les citoyens de Jordanie sont vraiment contre toute forme d'intervention occidentale et américaine. Avant-hier, c'était la population d'Amman qui manifestait ainsi. Aujourd'hui, ce sont les villes de Gerash, situées au nord, et de Salt, ici même. Il est clair qu'une telle mobilisation pourrait tourner à la violence si le gouvernement jordanien fermait les portes à l'Irak. Aujourd'hui, le roi Hussein n'a pas d'autre choix que de suivre son peuple. Jean-François Poncet, un des 12 émissaires envoyés par François Mitterrand, rentre justement de Jordanie aujourd'hui. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing ne croit pas que le roi Hussein a les moyens de faire appliquer l'embargo. Écoutez-le. Le sentiment que je ramène, moi, de Jordanie, est que le roi Hussein aurait beaucoup de mal à faire accepter par son opinion publique, qui a pris fait et cause pour l'Irak, une décision d'embargo. Par conséquent, personnellement, je n'y crois pas. Si la Jordanie cède, n'applique pas l'embargo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je crois que la Jordanie s'attend à ce que l'embargo soit appliqué non pas par elle, mais par ceux qui l'ont décrété,
et notamment par la marine américaine, puisqu'il semble que le président des États-Unis ait donné des ordres à cet effet à sa marine, et à ce moment-là, eh bien, elle se soumettra aux décisions qu'on lui impose. Mais pour des raisons de politique intérieure, elle ne veut pas prendre elle-même cette décision. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, là vous dites qu'au fond, la Jordanie n'appliquera pas l'embargo, elle attend que d'autres l'appliquent avec efficacité et la mettent en quelque sorte par la force au pied du mur. Elle attend de le subir. Jean-François Poncet sera l'invité du forum RMC Libération dimanche. Monsieur l'ambassadeur, comment réagirez-vous si effectivement la Jordanie applique cet embargo ? Voilà à nouveau un cas de jeu avec le droit international de la part des États-Unis, parce que la Jordanie ne fait pas partie du boycott et du blocus dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Pour cela, il faut qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité. Qui va décider si un navire amène de la nourriture au peuple jordanien ou au peuple irakien? Qui va décider de cela? Voilà, une fois de plus, un cas où l'on fait joujou avec le droit international, et ça n'est pas équitable, ça n'est pas humanitaire. Si ce port d'Aqaba est bel et bien fermé, comment réagira votre pays? It's a fact. Il y a un fait. No force, no power. Aucune puissance, aucune force ne peut affamer à mort un pays. Un pays peut toujours survivre, et les Irakiens ont survécu, savent comment survivre, et croyez-moi, nous avons confiance, les Américains et l'Europe ne pourra pas survivre sans 5 millions de barils de pétrole par jour. Attendons, nous verrons qui survivra plus longtemps. Nous pourrons survivre simplement en mangeant pendant 10 ans encore. Voyons combien de temps ils pourront survivre sans 5 millions de barils. Attendons et nous verrons. Selon certains témoignages, pour terminer, l'armée irakienne se serait montrée particulièrement violente au Koweït. On parle de pillages, de vols, d'exécutions sommaires. Il y a matière à être inquiet? Quand on entend deux comptes rendus qui sont à 100% opposés, il y en a forcément un qui ment. Donc, la stewardess qui a dit qu'elle avait été violée. Deux jours plus tard, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué disant qu'ils étaient revenus et qu'il ne s'était rien passé. En fait, cette propagande vise à miner l'image des soldats irakiens, qui est un soldat victorieux. Il faut endommager son image, il faut léser cette image, et cela se fait par n'importe quel moyen. Il n'y a pas de violence au Koweït. Non, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vol, il n'y a rien du tout. Merci, monsieur l'ambassadeur.